Salut à tous les amis. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Le cinéma est ma passion. Le cinéma est une façon pour moi d'oublier mes problèmes, etc. D'oublier ma vie de merde. Curieusement, quand vous êtes devant un film, vous oubliez totalement votre vie de merde. Une petite dédicace à Croix Essence. Bon, j'avais déjà parlé de lui. Croix Essence 36. Vraiment, ce mec-là, il y a une putain de collection de films. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un mec qui aime les nanars. Et j'ai trois ou quatre sacs de DVD avec des nanars. Donc, s'il veut se servir, il vient. Mais bon, il vient du.
département 36, donc il est très loin de moi. Donc, bon, j'aurais aimé le faire profiter, lui donner des DVD, etc. Voilà, mais bon, j'ai regardé une de ses vidéos hier, putain, c'est un amateur de films d'horreur, quoi. Il adore les films d'horreur. Je vais essayer d'y aller vite pour ce vidéoman. Je vais essayer de me fixer un but. Si j'arrive, tant pis. Si j'arrive pas, c'est pas grave. Il faut que la vidéo ne dépasse pas 20 minutes. Voilà. C'est un pari. Moi, je sais que je vais peut-être pas le respecter parce que j'ai beaucoup de films à vous faire montrer. Voilà. Des fois, quand on commente un film et l'autre et l'autre, le temps passe vite. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà, je vais commencer par les DVD. J'ai été en Belgique à Moucran. Voilà, j'avais un bon d'achat de 5 euros. Donc, ça m'est revenu à 9,50 € pour 25 DVD et 3 Blu-ray. Voilà, je suis vraiment content. La caissière là-bas, au Easy Cash de Moucran, elle est vraiment exceptionnelle. Je la connais depuis peu de temps. Elle est très gentille avec moi, très très gentille. Il y avait une rouquine qui était là-bas. Eh ben, elle n'est plus là, putain. Je la connaissais depuis presque 10 ans. Elle travaille plus là-bas. Elle n'est plus là. Je la vois plus. Elle a disparu. Et une petite stagiaire, je sais pas, elle a l'air très très jeune, 16, 17, voire 18 ans. Elle a l'air vraiment très jeune, mais vraiment très jolie. Voilà, qui n'hésitait pas à réapprovisionner le rayon afin que je prenne les films. Elle était étonnée. Dès qu'elle venait mettre une pile, elle était en train de regarder que j'étais en train de guetter les films qu'elle mettait, quoi. J'étais comme un loup en train de guetter et je suis venu et il y a un mec qui était derrière moi. Il était pas content que je prenne les meilleurs films, quoi. Eh ben, je t'emmerde et je t'encule. Voilà. Si t'es pas content, c'est le même prix. Je vais commencer. Je vais commencer. Voilà. Les DVD. Le petit chasse à l'homme de John Woo en version DVD. Du coup, j'ai la version Universal en Blu-ray. J'ai la version ESC en Blu-ray. Et j'ai le DVD qui est pas si mal que ça. Ça vient de qui? Universal. Mais là, je comprends pas ce qui est marqué là. C'est pas dans leur habitude de mettre ça. Indies. Ah, peut-être parce que c'est une version belge, il hein. Faut savoir que c'est un DVD belge. C'est pas une version française, c'est la version belge. Bon, que la jaquette, mais le CD, c'est pareil dedans, quoi. Il est tout neuf, il est impeccable. Mon chasse à l'homme, bah, il y a beaucoup de Van Damme dans cette vidéo. Moi, il y a des films que j'avais, mais j'ai dû en prendre, j'ai dû les prendre en double. Et voilà, comme coup pour coup, je l'ai dans cette collection aussi. Mais les autres, ils vont suivre avec ce film. Quoi, voilà, c'est des imports belges de films de Van Damme. Et voilà, c'est pas plus mal, hein, c'est vraiment très correct. Voilà, le chasse à l'homme de John Woo, Hard Target, avec la très jolie Butler, Yuan-Tzi Butler. Elle était très jolie à l'époque, elle n'est plus comme ça maintenant. Un film très très rare à trouver, un film français très très rare à trouver. Dès que j'ai vu ce film-là, ben, mes yeux sont sortis de la tête. Voilà, je crois qu'il doit coûter la blinde ce film-là. C'est un film très peu commun à trouver. Je suis pas vraiment les comédies françaises, c'est pas trop mon genre. Mais ce film-là, à l'époque, je l'avais vu à l'affiche. Et vraiment, ça date de 96. C'est avec un casting vraiment très intéressant. Vanessa Paradis, Gilles Bilot, qui est un acteur américain qui avait joué dans Les Évadés, etc. Il a fait beaucoup de rôles d'enculé aussi. Et Jean Reno et Jeanne Moreau. Il s'agit d'un amour de sorcière. Un film plutôt déjanté. Voilà. Avec, ben, comme je vous ai dit, Jean Reno, Vanessa Paradis et Gilles Bello. Voilà. C'est un film très rare à trouver. Jean Reno, il joue le rôle d'un sorcier à l'intérieur, hein, comme vous pouvez voir. Un diable, un sorcier. Je l'ai jamais vu, ça va être vraiment une très belle surprise. Les comédies françaises avec Jean Reno, je suis pas déçu de les regarder, quoi. Vanessa Paradis au sommet de sa beauté, au sommet de la gloire, à cette époque-là. Je pense qu'elle n'était pas encore avec Johnny Depp.
Alors, ben, ce film, non, c'est un JCVD que j'ai en DVD colombien, mais bon, c'est un import belge, mais ça ne me dérange pas. La jaquette, elle est en belge, mais on a bien une piste française. Et c'est un très bon direct ou DVD, vraiment. Van Damme n'a pas fait que de la merde en direct ou DVD. Avec la très jolie Kahlúa que j'adore, Vivica A. Fox, il s'agit de The Hard Corps. Alors, ça, j'aurais aimé une sortie Blu-ray de ce film-là. Vraiment, j'ai adoré. C'est un très bon film d'action. Voilà, un import belge, un jaquette en belge. Là, c'est en anglais, c'est marqué en anglais, en belge. Et on a bien une piste française, French, Friends, en Dolby 5.1. Je m'excuse si c'est un peu flou. J'ai désactivé la mise en vue en plus. Hein. Voilà. The Hard Cops avec JCVD. Voilà, on a bien une piste 5.1, ben coup pour coup, j'ai aussi ce sticker-là. Et les autres films qui vont suivre de JCVD, ben c'est tous des films de cette collection-là. Voilà, les imports belges ne sont pas négligeables, c'est des bonnes qualités. Il n'y a pas Dark Horse, c'est rien du tout. Voilà, peut-être qu'ils ont supprimé le logo Sony. Parce qu'ils n'ont pas les droits, etc. Peut-être même pendant le film, ils ont carrément. C'est ça, voilà, c'est sur les apports belges. Je vais peut-être pas tenir mon pari de 20 minutes de vidéo. Je suis déjà à 7 minutes 30. Voilà, si je dois commenter tous les films, eh ben, ça prend du temps. Un film aussi méconnu, très très rare à trouver, À nous la victoire, Victory. Voilà, avec Michael Caine, Stallone, etc., etc., etc. Voilà, etc. Vraiment, ça, c'est les années 70. J'ai testé le DVD. Vraiment, je suis vraiment étonné de la qualité d'image pour un film des années 70. Vraiment, je crois que c'est qui qui l'a fait? C'est John Huston. Voilà. Et en plus, là, il est marqué région zone 1. J'ai eu peur. Je l'ai regardé, c'est bien zone 2. Voilà. À nous la victoire, Victory. Bon, c'est une jaquette belge avec le résumé en belge. Mais bon, c'est pas grave. Elvis Presley avec Jonathan Rhys-Meyers dans le rôle de Presley. Mais justement, moi, je cherche la version Kurt Russell en DVD ou en Blu-ray. Je sais pas si c'est sorti. Je le cherche, le film Elvis de Carpenter. Je le cherche. J'avais fait un repack moi-même de la version longue il y a quelques années de ça. Elle est dans mon disque dur. C'est moi qui ai fait le repas que je me suis cassé les couilles à le faire. Vraiment, c'est un truc de fou pour resynchroniser la bande son. Pour qu'il n'y ait pas de décalage, c'était la merde. Rhys Meyers dans le rôle d'Elvis, j'attends de voir ça. Il y a même un film au cinéma, là, qui est actuellement au cinéma, avec Elvis. Je sais plus c'est qui joue le rôle. Merde, je sais plus, on a qui dans le film? Je crois qu'on a Tom Hanks dans ce film-là, la version 2022. Bon, Rhys Meyers, ben, on verra, ça date de 2005, 165 minutes. Voilà, on verra si. Ben, moi, pour moi, Kurt Russell, il était vraiment à la hauteur d'Elvis, quoi. Destination Graceland, c'est un putain de film d'action, voilà, qui rend aussi hommage à Elvis Presley. Voilà. Bon, là, je vais mettre les deux directs. Le Transporteur 2 et 3, j'avais le premier en DVD, je les ai aussi en Blu-ray. Pourquoi je les ai achetés? Parce que les Blu-ray sont susceptibles d'être défectueux, hein, Robocop, quoi. On connaît la musique, voilà. Donc c'est pour ça que je les ai achetés en DVD, comme ça si les Blu-ray crèvent et que je dois les mettre à la poubelle, au moins je les aurai en DVD, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, en plus ils sont super béton et on a même une piste DTS. Ah, la piste DTS, on l'a sur l'anglais, pas sur le français. C'est un peu dommage. Ils auraient pu foutre la piste DTS sur le français, quoi. Merde. Bon, j'enlèverai ça plus tard. Le Transporteur 2 et 3. Nous étions libres. Nous étions libres avec. Je vais baisser un peu la lumière. Voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Pas trop de reflets. Nous étions libres avec Penélope Cruz. Voilà, Penélope Cruz, putain de film historique, à ce que je vois, d'après moi, ouais, ça ne veut pas s'enlever la merde. Voilà, d'après à ce que je vois, j'espère que ce n'est pas des lesbiennes, ces deux femmes.
Charlize Theron et Penélope Cruz, quoi. J'espère qu'ils baissent pas ensemble. Hein. Ah si, je les vois au lit tous les deux. Ben, quoi, c'est des lesbiennes, putain, merde. Ça se passe à la fin des années 30. La prohibition, une relation, ça s'effrite. Bon, j'aurais dû pas l'acheter alors si c'est un film de lesbienne, vraiment. Voilà quoi, je pensais pas, je croyais que c'était un film historique, moi. Mais bon, on verra, je jetterai un coup d'œil, hein, peut-être une petite branlette, s'il y a des scènes de cul entre les deux femmes, non? Je ris un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Mais bon, pourquoi pas une petite branlette? Je suis un homme seul et je dois me vider les burnes. Alors là, un Clint Eastwood, vraiment ça doit être doux, dur et dingue, hein, si je me trompe pas. Hein. Putain, il n'y a pas moyen d'avoir le titre en français. Annie Wig, bon, ça doit être ça. Hein, vraiment, Clint Eastwood, dans les années 70, il y avait une putain de gueule. Moi, je cherche la corde raide. Je sais pas si c'est sorti en Blu-ray. Même en DVD, j'aurais aimé le trouver, quoi. Voilà. Je sais pas, je crois que c'est doux, dur et dingue ce film. Je crois qu'on a Sandra Locke. Hein. Voilà Sandra Locke qui était sa femme qui est décédée. Geoffrey Lewis. Voilà. Ça date de quelle année? 80, voilà. 80, déjà 42 ans ce film-là. Ça passe très vite, ça promet. Hein. Clint Eastwood, il nous faisait des putains de films bien, bien burnés quand même à l'époque. Alors ça, c'est un film vraiment très rare. J'ai halluciné quand je l'ai trouvé. Je l'avais à l'époque, il y a très longtemps. Oh putain, comment il est griffé, merde. Comment je vais faire? Oh là là, comment ils ont pu faire une griffe comme ça, putain. Regardez comment il est griffé. Comment ils ont pu faire ça, putain, un cercle. Un cercle, putain, comment je vais rattraper ça? Moi, en plus, c'est une rareté, ça. Oh putain de merde. Putain, c'est dommage. Hein. Mais bon, je vais trouver un moyen de le restaurer. Je trouve un moyen de le restaurer. C'est un film très rare. Ou peut-être le trouve. Il est très rare, tu le trouves pas, quoi. Voilà, Arachnophobie avec Jeff Daniel. Vraiment, c'est un film des années 90. Je pensais que je l'avais à l'époque, on a John Goodman, etc. C'est avec un insecte, hein, je crois. Voilà. C'est un insecte, je sais plus quoi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. C'est un film des années 90. Je suis vraiment dégoûté de l'état du disque, quoi. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, putain. Comment vous pouvez niquer des films comme ça, putain? Comment vous avez fait pour faire un cercle comme ça, putain? Comment vous avez fait, putain de merde? Suis dégoûté, putain, c'est un film rare en plus. Taxi, avec Queen Latifah, etc. Bon, ça doit être un remake du film de Nasseri. Avec Gisèle Bündchen, c'est une meuf qui était sortie avec DiCaprio. Je crois que c'était même sa meuf. Il y a un moment, c'était sa meuf. Voilà, c'est peut-être une parodie de Taxi avec Samina Seri. Bon, il y a plein de traces de doigts. Bon, c'est pas grave, je vais le nettoyer. Voilà, quand on achète 25 pour 5 euros, faut pas s'attendre à du luxe des fois, quoi. Voilà, celui-là. Taxi. Ouais, il reste 5 minutes avant les 20 minutes. Ça m'étonnerait que je tienne mon pari. Ou peut-être à peu près. Un film de science-fiction. Voilà. Galaxy Sina. Voilà. VO en version longue. Une cut. Et VF en version courte. Voilà. Il y a 10 minutes d'écart entre les deux. Voilà. Entre 1h20 et 1h30. Voilà. Voilà, moi j'adore les films comme ça des années 80. Regardez le cul qu'elle a. C'est qui celle-là? Bridget Dorothy Stratton. Moi je la connais pas. C'est un film des années 80. Moi quand j'ai vu que c'était du 16/9 en cinémascope de 35, je l'ai pris. Si ça aurait été du 4 tiers, j'aurais pas pris. Voilà, j'ai vu que Croissance, il prend les films en 4 tiers, il s'en fout, il les regarde lui. Il regarde tout. C'est ça que j'aime bien, c'est ce mec-là, il te regarde tout.
Même un film de merde, il va le regarder, il est capable de dire qu'il aime bien quoi. Vraiment, chacun ses goûts. C'est pour vous dire que c'est un mec le simple quoi. Même moi, des fois, je peux aimer un film que c'est de la merde, je suis capable de l'aimer quoi. Vraiment, j'adore ces vidéos, c'est. Voilà, moi quand je regarde la vidéo des youtubeurs ou de certaines personnes ou des youtubeurs, je sais pas, j'apprends à les connaître à travers les vidéos. Voilà. Galaxina. Bon, ça doit être une série B. Les années 80, quoi, 42 ans déjà ce film-là, ça va très très vite. Moi je suis né en 89. Même moi je commence à vieillir, quoi. Un film avec un trio d'acteurs. Juliette Lewis, Uma Thurman qui est là, qui est somptueuse. Juliette Lewis, alors là, putain, j'ai toujours trouvé très jolie celle-là. Bon, maintenant, elle n'est plus pareille, mais à l'époque, c'était une très belle bombasse, quoi. C'était une bombasse. C'était une bombasse. Jenna Rolland, bon, celle-là, je ne la connais pas. Bon, on aurait pu se passer d'elle sur la jaquette, qu'on aurait pu mettre que ses deux misses, quoi. Voilà. Voilà. Moi, je vais pas tenir mon pari, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, je vais pas dépasser la demi-heure, quoi. C'est pas grave. Voilà, le DVD est en très bon état. C'est HBO, quoi. HBO, ça appartient à Warner. Et voilà, ça doit être un téléfilm d'HBO. J'ai jamais vu ce film. C'est ça qu'on fait des trouvailles. Eh ben, ça envoie plusieurs genres de films, quoi. Homefront avec Statham. Pareil, pourquoi je l'ai acheté alors que je l'ai en Blu-ray? Mais il fait partie de la liste des défectueux. Donc je l'ai pris. Merci Wildside. J'espère que mon Blu-ray passe un pec encore, quoi. Sinon, je vous fous un procès au cul. Pour dysfonctionnement. Alors, même TF1 vidéo, ils m'ont cassé. J'ai jeté plein de films, repas et tout. J'ai plein de films que j'ai jetés. J'étais dégoûté. Homefront. Homefront. Avec Jason Statham. Très bon film, bien burné quand même. Avec James Franco. J'avais adoré à l'époque ce film-là. Il y a déjà 10 piges, hein, ce film. Voilà. Repomène. Jude Law, Forest Whitaker, très très bon film de SF. On va voir l'état du disque. Ah, il est impeccable, il est nickel. Je l'ai en Blu-ray aussi celui-là. Vraiment, c'est l'un des meilleurs films des années 2010, c'est le plus inventif. Voilà, en fait, ils ont des clones, ou si je me rappelle plus, et Forest Whitaker, s'ils n'ont pas payé, ben, ils leur enlèvent leur vie, ou je sais bien, un truc comme ça. C'est un film vraiment très très décalé. On a même Alice Bagra là. Oh là là, elle, comment je lui défonce le cul tous les jours. Voilà, Alice Bagra. Voilà. Voilà. Elle avait joué dans Predator avec Adrien Brody. L'empreinte de la mort, j'espère que ce n'est pas une version québécoise, quoi, parce que j'ai même le DVD Studio Canal. Hein. De toute façon, en uncut, si je ne me trompe pas. Là, je sais pas si c'est une version uncut, mais j'espère que c'est pas le doublage québécois, quoi. Parce que Dutch Filmworks, ils ont la manie de mettre le doublage québécois. Bon, si c'est pas la voix de Patrice Baudrier sur VJCVD, ça va pas être terrible. Je vais tester ça tout à l'heure. Ça, c'est un film coup de poing qui mérite une sortie Blu-ray. C'est un putain de taré, Van Damme dedans, quoi. Un rôle très très sombre. J'adore, j'adore, j'adore. Van Damme vraiment très badass, avec une scène de torture à la tronçonneuse, à la perceuse. Vraiment, c'est un truc de fou qui rentre au panthéon des scènes de torture. C'est même marqué dans le DVD de Studio Canal, quoi. C'est un film coup de poing, j'adore. J'adore vraiment ce film-là. Il se fait vengeance, sa femme, elle se fait tuer par la triade chinoise. Il y a un moment, il y a un mec au lit qui est en train de baiser, il se fait buter. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il fracasse sa mère, ce film, pour vous dire. Et c'est sorti en salle. C'est sorti en salle. Je crois pas que ça a fait du boucan en salle, mais bon, c'est un très bon film.
Ben, je vous avais dit que Inhale, ben, on me l'avait volé, ben, je l'ai trouvé. Je suis vraiment content. Le seul hic, on a des putains de bonus là. Alors que dans le Blu-ray, on les a pas. Je sais pourquoi, parce qu'ils ont foutu les deux films sur Inhale et Replicant, si je me trompe pas. Hein. Je sais plus, Inhale et un autre fils, je crois que c'est Replicant. Eh ben, ils ont pas pu foutre les bonus, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai retrouvé en DVD, je suis content. Le seul X qui est un peu griffé. Voilà, il est un peu griffé. Moi, je cherche une policheuse. Je vais pas le jeter, il doit passer impeccable. Mais bon, j'aime pas avoir des DVD griffés, moi. Mais bon, je vais trouver une solution à ça. Voilà, je suis vraiment content de l'avoir trouvé, quoi. On me l'a volé, quoi. On a même une piste DTS, quoi. Deux films, Resurrection Man avec Stuart, Jonanno, Stuart, j'aime bien Jonanno, j'adore Jonanno, le mec qui avait joué dans La Momie, il avait joué dans la série Spartacus, c'est un putain de taré dedans, Jonanno. Dans La Momie, il est toujours tout rigolo, tout gentil, il fait le con, il fait le clown. Et dans Spartacus, c'est un putain d'enculé hein, qui défonce des culs à tout va, quoi. Il défonce le cul de ses esclaves. Hein. Jonanno. Voilà. Spartacus est vraiment réputé pour les scènes de cul, quoi. Voilà. Il y a un moment, il y a Lucy Lawless là, qui avait joué dans Xena la guerrière, qui est sa femme. Et il y a une de leurs... esclave qui vient, ils sont tous les deux en train de se baigner dans un genre de jacuzzi. Et la meuf, elle lui dit quoi? Tape-toi le cul de cette petite et je me rincerai l'œil. Et il lui défonce le cul devant elle, quoi. Son esclave et l'encule, quoi. Voilà. C'est une série vraiment très très jouissive. Spartacus, si vous connaissez pas, je crois qu'il y a eu 3 saisons. C'est vraiment très très décalé, très c'est dingue comme film quoi. De l'amour, un film français de Jean-François Richer. Jean-François Richer qui nous avait fait Ma cité va craquer. Il nous avait fait les deux Mesrine avec Vincent Cassel. Il nous a fait Assaut sur le Central 13 avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne, j'ai le Blu-ray. Assaut sur le Central 13, j'ai le Blu-ray américain, un port anglais, américain, je crois, mais c'est une VFQ, quoi. Il n'est jamais sorti en France en Blu-ray, Assaut sur le Central 13. On n'a que le DVD Metropolitan, mais on a vraiment un putain de casting, hormis Bugsy, qui avait joué dans Gomez et Tavarez. Virginie Ledoyen. Lui, je le connais pas trop. Je crois qu'il a joué dans La Mentale, ce mec-là, si je me trompe pas. Hein. Voilà, pour son troisième film, après État des lieux, Ma cité va craquer, hein. Démonte. Bon, je sais pas c'est quoi. C'est un film de cité, je crois. Hein. Voilà, c'est un film de cité. Adieu la haine, bonjour l'amour. Vraiment, j'aime bien Stommy Bugsy. C'est un putain de taré. On voit que c'est un putain de taré quand même. Hein. Alors ça, c'est pas un film courant à trouver. Oh là 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 là, je vois l'état du disque déjà là. Alors l'arrière, oh là là là. Oh putain, il est tout niqué. Oh putain, c'est ça quand t'achètes 25 pour 5 euros. Voilà. En plus, c'est pas un film courant à trouver, ça. Donc, si quelqu'un vend une policheuse, il faut me le dire le plus vite, quoi. Parce qu'il me faut une policheuse, voilà. Voilà, je ne vais pas payer à chaque fois 5 euros pour restaurer un DVD. C'est des voleurs dans les caches, quoi. Je vais chier, putain. A Sound of Thunder. Bon, ça me dit rien, ça. Edward Burns. Voilà. Et Ben Kingsley. Voilà, bon, ça doit... De Peter Hyams, en plus. Hein. Là, ça doit être un très bon film d'aventure. Voilà, Peter Hyams qui nous avait fait Time Cop et La fin des temps, etc. Ah, il est tout neuf celui-là. Moi, je demande à regarder ce film-là. Ça doit être un film vraiment
très très décalé. Je reviens, les amis, je reviens, je reviens, je reviens. Faut pas tenir compte alors de mon défi. Ne tenez pas compte, j'ai pas respecté les 20 minutes, c'est pas grave, c'est y a pas mort d'homme. Mais ça reste quand même court, quoi. Voilà, mes vidéomans, généralement, ils durent une cinquantaine de minutes. Voilà, je continue avec les restants des DVD. Voilà, bon, j'ai vu l'état d'un des DVD, il était un peu griffé, je suis vraiment dégoûté. C'est le deuxième que j'achète et qui est griffé, quoi. Je me suis dit, celui-là va pas être griffé, ben, c'est pareil, quoi. Mais l'autre, il est plus griffé que celui-là, mais c'est pas grave. J'aurai deux jaquettes différentes. Le Chevalier Black, voilà. L'autre, c'est pas cette jaquette-là, quoi. Voilà, c'est pas cette jaquette-là. On a la chance d'avoir plusieurs jaquettes différentes pour un éditeur, quoi. Voilà, la jaquette belge diffère de la jaquette française généralement. Et parfois, elle est plus belle, quoi. Je trouve cette jaquette plus belle que la jaquette française. Dans la jaquette française, on ne voit que lui. Et là, on les voit tous comme ça, quoi. Voilà. C'est une très, très bonne comédie. Je ne sais pas si ça existe en Blu-ray. J'aimerais bien l'avoir en Blu-ray, celui-là. Enfin, s'il existe en Blu-ray, il me le faut, quoi. Putain de comédie. Un peu une comédie médiévale, quoi. J'adore, j'adore. Martin Lorenz, j'adore. Chevalier Black. C'est dommage que Martin Lorenz il a disparu des radars, quoi. De toute façon, il y a du pognon à craquer. Ils sont fous qu'il fait plus de films. Voilà. Présumé coupable avec Michael Douglas. Ça ne me dit rien du tout. Je sais pas. Un film peut-être dans la lignée de Juste Cause avec Sean Connery. En plus de Peter Iams, putain. Ouais, c'est de Peter Iams, quoi. Bah, je suis vraiment. Je vais voir le résultat. Bon, généralement, Douglas, il ne nous fait pas de la merde. Voilà, mais bon, il excellait à mort dans les années 90. Avec Black Rain et plein d'autres films. Voilà. Je vais pas parler de Basic Instinct. Moi, je parle de films d'action avec Douglas, quoi. Mais bon, Douglas était connu pour ses films érotiques à l'époque. À la limite, érotique. Il en avait fait un avec Glenn Close, hein, si je me trompe pas, je sais plus c'est quoi. Liaison Fatale, si je me trompe pas. Hein, je crois que c'est lui dedans, hein, si je me trompe pas. Après, il nous a fait Basic Instinct. Après, il nous a fait Harcèlement avec Demi Moore, quoi. Voilà, c'était un vrai baiser à l'époque, ce Douglas. Et bien évidemment, Chute libre, hein, je peux pas l'oublier, celui-là, je crois que c'est l'un de ses films les plus mémorables. Présumé coupable, voilà. Opérator avec Luc Gosse. J'adore Luc Gosse, c'est dommage qu'il nous fait que des séries B. Michael Paré. Luc Gosse et Vingrens. Voilà, c'est un film dans le milieu hospitalier. C'est des pompiers, je crois. Je sais pas. J'avais vu ça à l'époque, j'avais adoré. Vraiment, ça casse pas des briques, mais bon. Voilà, je suis comme Croissance, quoi. Il y a des films, c'est de la limite de la merde, mais je suis susceptible d'aimer, quoi. Voilà, il suffit qu'il y a des bons acteurs et voilà, quoi. Lui, il regarde tout, il s'en fout, il regarde tout. Il n'en a rien à foutre, il regarde tout. C'est ça qui m'a fasciné chez lui. Voilà. Opérateur. Là, c'est pas dégueulasse non plus, c'est regardable. Voilà, l'expression de croissance. Ben celui-là, je l'ai en Blu-ray, bien évidemment. Mais bon, en DVD, ça fait pas de mal. Fargo des frères Coen. Vraiment, c'est un Peter Stormare, là. Stormare. C'est un putain de taré dedans. Il jette un mec dans une machine à découper le bois. Steve Buscemi. Putain, c'est un putain de taré. Hein. Steve Buscemi et Peter Stormare, quoi. Ils font vraiment la paire. Et vraiment, Steve Buscemi, dans ce film-là, c'est aussi un putain de taré. Hein.
Même dans les ailes de l'enfer, putain, Steve Buscemi dans les ailes de l'enfer, le boucher de Marietta, quand c'est un putain de taré dedans, il y a une tête de psychopathe. Voilà, dans les ailes de l'enfer, Steve Buscemi, il fait peur, quoi. Alors qu'à l'origine, c'est un acteur qui fait des films d'action, quoi. Qui fait des comédies, pardon. Tu regardes dans les ailes de l'enfer, on dirait Hannibal Lecter, le mec, quoi. Fargo, avec Frances McDormand, ben, il faut savoir que c'est la femme d'un des frères Cohen, hein, je crois, Joel ou Ethan, je crois que c'est plus Joel. Hein. Ben, elle a même joué dans le film avec Denzel Washington, Macbeth. Ben, elle a joué dans le film de son mari, quoi. Voilà. Elle a joué aussi dans le film d'Alan Parker. Mississippi Burning, elle joue la femme de Brad Dourif. Voilà. Fargo, un film qui est sympa à voir, quoi, même en DVD. Vraiment, Peter Stormare, là, c'est un putain de taré dedans. Hein. C'est un putain de taré. Voilà, il y a même une série télé qui a été faite sur Netflix. Alors, moi, j'ai pas aimé la série télé. Et le dernier film, un JCVD, quoi, que j'ai le DVD Columbia, et je crois que j'ai l'édition collection Action, si je me trompe pas, mais comme c'est le même Car Corps, ce sera une collection qui suivra. C'est un import belge. Moi, bon, c'est pas le meilleur des Vandamme. Hein. Bon, j'aurais aimé trouver le Blu-ray USC. C'est pas le meilleur des Vandamme, mais ça reste regardable. Un import belge, c'est écrit en belge là. Mais on a bien une piste française. Maintenant, on va voir si le DVD est de meilleure qualité que la version Columbia, quoi. Mais bon, ça m'étonnerait. Knock Off. Je préfère le titre américain, quoi, que Piège à Hong Kong. Vraiment, les Français, ils nous font des titres de merde. C'est pour ça que Cazazel ou Cabazel, ou je sais pas quoi, là, qui fait les collections Steelbook, ce mec-là, il aime bien que les titres originaux, quoi. Les titres français, il aime pas, quoi. Il déteste. Voilà. Knock Off, Piège à Hong Kong. Voilà. Qui est pas si mal. Hein. C'est pas non plus. Ça reste regardable. Hein. C'est pas non plus. C'est Tsuyard qui l'a fait en plus. Voilà. Je crois que c'est le réalisateur de Double Team en plus. Mais bon, en plus, Van Damme était en pleine période cocaïnomane, quoi. À cette époque-là, avec les jaunaires aussi, ça se voit pas, mais il prenait de la coke à cette époque-là. Voilà, la jaquette, elle est vraiment très très jolie. Voilà, c'est pas la même jaquette que la jaquette française. Voilà, Knock Off, Where Zone, No Substitute. Voilà, personne n'est sans remplaçant, un truc comme ça veut dire ça, je crois. Voilà. Vraiment, la jaquette, j'adore. J'adore la jaquette, elle n'a rien à voir avec la jaquette française. Voilà, je suis vraiment content. Un peu de JCVD, je crois que j'en ai eu trois aujourd'hui. Voilà. Et pour finir, trois Blu-ray. Esther, pour 3 euros. Voilà, la fin alternative. Moi, Esther, quand je l'ai vue, cette meuf-là, je sais pas, je suis tombé amoureux d'elle, quoi. J'ai une attirance pour elle. Voilà, elle est là. Très très mignonne. Hein. Elle est là, c'est là qui est derrière. Voilà, elle est très très mignonne. Comment elle s'appelle? Isabelle Fuhrman. Voilà. Et il y a une histoire vraie d'Esther. Hein. Le pire dans tout ça, c'est que ça a été pris d'une histoire vraie. Allez regarder la chaîne de Boukassin. Boukassin ou Bourkassin, c'est une meuf qui présente des émissions sur les crimes, etc. Et sur sa chaîne YouTube, elle parle de la vraie Esther, quoi, qui garde l'apparence d'une gamine alors que c'est une femme. Et elle a trompé beaucoup de gens avec ça. Voilà. Moi, je l'aurais bien défoncé le cul. Même si c'était une naine, je m'en fous. J'aime bien les naines, moi. Je crois que c'était une naine, la vraie Esther. Ouais, c'était une naine. J'avais vu un reportage sur elle. La vraie Esther aussi. Moi, je l'aurais pris, moi.
Même si c'est une naine, je m'en fous, je la saute, moi. Je m'en fous. Moi, tant que en plus, je parlais avec une naine sur le tchatch. Et voilà. Ça s'est jamais concrétisé entre nous, quoi. J'adore les naines, voilà, je sais pas pourquoi. J'aurais bien aimé avoir une aventure avec une naine dans ma vie. Pour voir ce que ça fait en même temps aussi. Je suis un homme curieux. Miss Bello, un film d'action de Sony Pictures, qui date de 2019, qui est pas si vieux que ça. Voilà. Pour 3,49 €. Oh putain, des petites traces de doigts. Oh, c'est pas grave, un Blu-ray, c'est pas grave. Putain, quel joli sticker. Quel joli sticker, vraiment le sticker. J'adore, j'adore. C'est un film qui est dans la lignée de Colombiano avec Zoé Saldana, quoi. C'est à peu près le même genre de film. Ça doit défoncer sa race, ça doit dépoter sa race. Miss Bella. On a même Anthony Mackie dedans. Voilà, bon, des femmes, un film d'action féministe, quoi. Bon, c'est pas. Gina Rodriguez, c'est pas négligeable à regarder. Et pour finir, un Blu-ray par le réalisateur de Cube, Adrien Brody, il tombe amoureux d'elle et il baise avec elle. C'est une créature qui est jouée par Sarah Paulet. Et ça, c'est édité par en France par Gaumont. Et là, bah, c'est une édition belge de chez Dutch Filmworks. J'espère que c'est pas une PFQ, quoi. Ça m'étonnerait, mais bon. Oh putain, ils t'ont mis un boîtier de DVD dans un, quoi. Merde. Faut chier, putain. Ben c'est le Blu-ray Gaumont qui est à l'intérieur. Ben comment ça se fait ça? Ben c'est le Blu-ray Gaumont. C'est même pas l'édition belge. J'ai la jaquette belge avec le Blu-ray Gaumont. J'espère qu'il n'est pas défectueux, quoi. Putain, fais chier. Splits. Splits. Voilà, normalement, je suis censé avoir l'édition Dutch Filmworks. C'est le Blu-ray Gaumont qui est à l'intérieur, quoi. Oh, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il me faudra un boîtier. Je vais aller voir dans les films que j'ai liquidés, là, que j'ai virés. Je vais enlever les bois. Je vais mettre un autre boîtier. Je vais enlever ce boîtier de merde. Comme dit mon ami Dark Magikarp, je vais trouver un film de merde. Je vais remplacer le boîtier. Voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais changer le boîtier Splits. Et il y a un moment, elle, en fait, elle, cette actrice-là, elle voit lui, elle voit elle voit Adrien Brody, elle rentre dans la chambre, et il y a un moment, et elle voit qui est derrière elle. Elle fait un de ces putains de cris, parce qu'elle s'est dit, putain, il baise une créature qui a créé. Voilà, c'est le réalisateur de Cube. Putain, j'ai le Blu-ray Gaumont à l'intérieur, quoi. J'espère qu'il n'est pas défectueux. Pourquoi il nous a foutu le Blu-ray Gaumont dedans? Ou peut-être ils ont changé le Dutch Filmworks parce que celui-là était défectueux, peut-être. J'en sais rien. Peut-être cet enculé, il a pris le Blu-ray Gaumont, il l'a mis dedans, il a récupéré l'autre, en fait. Je sais pas, je sais pas. J'espère qu'il n'est pas défectueux. Je sais pas. Voilà. C'est fini, les amis. Merci de m'avoir suivi. Bon, je vais adopter ces émissions de comme ça, quoi. De pas montrer ma tête. Voilà. Salut à tous. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous.